Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous parler de mon projet. Donc aujourd'hui, il devait avoir normalement un tuto, sauf que je me suis fait mal à la main, du coup je peux plus le faire, du coup, le tuto. Hein. Donc là, j'ai mal à la main, du coup je vais pas le faire aujourd'hui, je le ferai dans la prochaine vidéo. Donc là, je vais vous présenter mon projet secret dont je vous ai parlé dans ma vidéo oula, de collection. Je vous ai dit que je vous ferai une vidéo dessus, en même plusieurs. Donc aujourd'hui, c'est la première. Donc je vais commencer tout de suite par vous expliquer le projet. Alors, le projet, en fait, c'est un jeu de poursuite sur un plateau de jeu. Il y a des cartes où il y a des informations marquées dessus pour avancer de plusieurs cases ou reculer ou avoir des bonus, etc., etc. Je vous montre du coup le plateau. Donc voilà le plateau de jeu. Donc là, en fait, c'est deux calendriers que j'ai rassemblés pour faire un grand plateau. Du coup, au milieu, ici, faites pas attention, c'est juste un petit défaut de fabrication que je vais arranger dans le futur. Du coup, j'ai mis des feuilles de papier dessus. Je vais vous montrer le derrière. Hop. Il y a juste du scotch, du gros scotch, pour que les plateaux, les calendriers tiennent ensemble. Désolé si j'ai du mal à parler. Du coup, il y a des îles, il y a une grande île qu'on voit ici, je vais vous montrer. Ici, là, c'est le bout de la grande île. Et du coup, comme vous pouvez le voir à côté, il y a des petites îles, là, là, ici. Il y en a un peu partout. En tout, je vais vous dire combien il y en a. Du coup, il y a 9 îles et une grande île. Du coup, ça en fait 10. Et les gros ronds que vous voyez, c'est les villes. Et du coup, il y aura les noms des villes à côté. Et entre chaque ville, il y aura des petites cases où on pourra mettre les pions. Donc voilà les pions qui est capable d'avoir, hein, qui y aura dans le jeu d'ailleurs. Voilà, c'est juste un jeu pour moi et ma famille, mais je vous en parle parce que j'ai envie de vous en parler. Du coup, ça c'est les pions typiques d'une variété de jeux, de jeux de société. Du coup, ça sera les pions que j'utiliserai en tout cas sur le plateau. Par contre, il y aura différentes couleurs, évidemment. Du coup, maintenant on va passer aux cartes que je vais vous montrer, que vous avez sûrement vu. J'ai dit qu'elles étaient passées dans la vidéo, du coup, je vais vous montrer les cartes. Donc, je vais vous montrer la face. Elles sont comme ça, les faces. Voilà. Il y a quelques détails, des ronds dessus. Donc, c'est des faces que j'ai trouvées sur Internet. C'est juste des faces normales. Je les ai toutes découpées. J'ai fait en sorte qu'il y en ait 60 à peu près, des cartes pour l'instant. Là, il y en a pas mal. Hein. Donc, ça, c'est la face. Après les avoir découpées, je les recoupe encore afin qu'elles soient de forme carrée, comme ça. Là, c'est une face carrée. Toutes les faces que je vous ai montrées en premier, elles ne sont pas encore terminées. Du coup, il faut que je les coupe encore à la même taille que les autres carrés. Maintenant, on passe au dos des cartes. Et du coup, le dos, c'est un dos que j'ai trouvé sur Internet, encore une fois. Et c'est un dos de cartes de jeu de cartes de Hearthstone. C'est un jeu, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de cartes un peu de tour à tour. Et du coup, voilà, j'ai pris ce dos-là. Il était plutôt sympa. Au milieu, il y a, on va dire, un tampon qui est avec un 6. Moi, j'ai l'impression que c'est un 6. En surbrillance, voilà. Et du coup, ça, c'est les faces, les dos pas découpés. Et du coup, maintenant, je vous montre les dos découpés. Du coup, ils sont de la même taille que les faces découpées. Et ils sont carrés, donc voilà. Pour continuer, je vais vous montrer une carte terminée presque totalement. Du coup, voici le dos. Et là, il y a la face. Bon, on voit le dos à travers, mais quand c'est posé, je vous jure qu'on ne voit rien. Là, je regarde, je vois rien. J'ai mis des bords en scotch, histoire que ça se rende un petit effet plastifié. Au milieu, j'ai encore rien mis. Je vais mettre les informations au milieu avec un feutre noir, que ça se verra bien. Et voilà. Et là, du coup, il me manque un petit paquet
de dos à découper. Voilà, j'en ai quelques-unes. Il y a à peu près deux par page comme ça. Sur une page entière, j'en avais fait 6. Du coup, bah, là, il m'en reste quelques-uns encore. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, en tout cas, moi, ça m'a plu. Si vous avez aimé, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager. Et moi, je vous dis salut à tous.